Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur l'innovation collaborative. Donc nous allons commencer cette conférence par un échange et un décryptage avec nos intervenants qui vont vous être présentés dans quelques instants. Et ensuite, on prendra un temps d'échange pour répondre à vos questions avant de conclure. N'hésitez pas à utiliser tout au long de la conférence l'onglet « Converser » pour poser vos questions au fur et à mesure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de donner la parole pour un mot d'introduction à Sophie Martineau, directrice générale de la NAP. Merci Asma. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première webconférence sur l'innovation collaborative. Et puis, je suis d'autant plus ravie que, en tout cas, c'est un énorme succès en termes d'inscription. Alors, j'espère que les participants vont arriver petit à petit. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, on a eu plus de 1100 inscrits. Donc, on est ravis. Je pense que c'est à la fois la thématique, mais c'est aussi les interrogations et les questions qu'elle pose. Que vous êtes au rendez-vous de cette webconférence qu'on vous propose aujourd'hui. D'abord parce que l'innovation collaborative, c'est un enjeu évidemment qui résonne particulièrement pour la NAP, qui est un enjeu majeur pour nous, puisque au cœur de notre mission, finalement, il y a l'innovation organisationnelle. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer le service rendu aux patients et aux usagers? Et puis, ça fait plusieurs années en fait que l'agence a intégré l'innovation collaborative dans son offre de service. Et donc, du coup, on est d'autant plus fiers de vous présenter aujourd'hui cette webconférence avec l'idée aussi de le partager plus largement. Alors, intégrer concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on travaille aux côtés de l'équipe nationale sur l'article 51, notamment dans le cadre de l'accélérateur 51. On a initié avec le ministère et l'école des hautes études en santé publique le projet qui s'appelle Hospitalant et donc dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus longuement au cours de cette webconf. Et puis on a lancé récemment la pépinière des territoires, qui est une action qui vise à accompagner des projets par des méthodes d'innovation collaborative, de les faire grandir et de les faire maturer le plus rapidement possible au bénéfice des professionnels, bien sûr, mais aussi des patients et des usagers du système de santé. L'enjeu pour nous, c'est d'en faire une première brique, finalement, d'une offre de service à la fois plus large et plus pérenne. Et donc, ce sera l'innovation collaborative va rester un enjeu majeur, comme vous vous en doutez, pour l'agence dans les prochaines années. Alors, l'innovation collaborative, qu'est-ce que c'est? Il ne faut peut-être pas penser que c'est une recette miracle ou une solution magique. Ce n'est pas non plus la solution unique. Et du coup, il y a des conditions finalement d'utilisation. D'abord, un changement de culture, un changement de posture aussi, notamment de posture managériale. Et puis, c'est quelque chose qui ne peut pas être improvisé. Finalement, la collaboration ne s'improvise pas. L'innovation ne se décrète pas. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que peut-on attendre finalement de ces méthodes, de ces techniques? À quel moment les utiliser? Qui peut y avoir recours? Quel coût? Combien ça coûte de mettre en place des projets en lien avec l'innovation collaborative? Et pour nous éclairer aujourd'hui et pour répondre à ces questions, je suis ravie d'accueillir Nicolas Vauquier, qui va animer cette table ronde tout au long de l'après-midi. Il est co-designer au sein de la Direction interministérielle de la transformation publique, la fameuse DITP. Et donc, c'est à lui que reviendra la lourde tâche de faire l'animation de cette table ronde. Et autour de la table, alors virtuelle, bien sûr, je suis ravie de retrouver François Bérard, qui est le directeur général adjoint du CHU de Montpellier. Puisqu'on a eu l'occasion de se connaître dans ses précédentes fonctions, puisqu'il était au sein de l'agence. Et puis, sa directrice des affaires médicales, Emmanuelle Garnier, qui nous fait le plaisir de raconter, peut-être, qui viendra raconter son expérience en matière d'innovation collaborative. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que l'expérience d'un autre professionnel pour vous donner des éléments éclairants et de conviction. Et puis, par ailleurs, on a voulu faire un petit pas de côté. Et donc, je suis ravie que Sébastien Massin et Loïc Remaud aient accepté de participer à cette table ronde. Ils viennent tous deux du lab de Pôle emploi, qui est une structure d'innovation collaborative et qui permet d'accélérer les projets au service des usagers, des partenaires et des collaborateurs de Pôle emploi. Mais ils auront l'occasion de nous présenter leur action directement. Ce sera
plus efficaces. Je voudrais bien sûr, d'une part, les accueillir chaleureusement, les saluer, et puis d'autre part, bah, les remercier pour leur mobilisation cet après-midi. Moi, j'ai hâte de les écouter. Et j'en profite aussi pour remercier évidemment toute l'équipe de la NAP qui a permis d'organiser cette webconf. Et puis, bah, place au direct, entre guillemets, et je vous souhaite en tout cas une webconf passionnante autour de ce sujet qui, je pense, laisse enchaîner. C'est à vous. Merci Sophie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Nicolas Vauquier. Merci Sophie pour ces mots d'introduction. En effet, je fais partie des équipes de cette DITP, Direction Interministérielle, dont l'objet est la transformation publique. Et puis par ailleurs, l'innovation collaborative, c'est mon métier depuis une quinzaine d'années. Alors, heureux d'être à vos côtés aujourd'hui avec une double casquette, puisqu'aujourd'hui, je vais être à la fois l'animateur et puis aussi intervenant au même titre que Loïc, Sébastien et puis François-Emmanuel. Je vérifie qu'on m'entend bien. Ouais, c'est bon, Asma, tu me fais un petit signe. Ça fonctionne. Génial. Alors, le format de notre webconf, nous avons 1h30 d'une conversation sur ce sujet de l'innovation collaborative. On a nous cinq intervenants. Et puis, nous avons aussi vos questions. Ça a été dit par Asma tout à l'heure, je le rappelle. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant, vous avez dans votre fenêtre Zoom un module de conversation, converser, le chat, comme on dit parfois. N'hésitez pas via cette fenêtre de conversation à poser vos questions. Et Asma a accepté de les recueillir, de les récolter pour que tout à l'heure, on ait un échange de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous a semblé important de faire deux choses. Dans un instant, on prendra un tout petit instant de définition. Et juste avant ça, on va vous poser une question. Vous êtes 371 personnes à être connectées aujourd'hui. Alors voilà, ça fait un échantillon représentatif pour faire un sondage. Adeline et son équipe vont nous faire apparaître un sondage là sur l'écran. Je le lis avec vous. L'innovation collaborative, sur une échelle de 1 à 5, vous y croyez combien ? Voilà. Et volontairement, on vous pose cette question avant d'avoir pris ce temps de définition. Ça nous intéresse de prendre un petit peu la température qui nous avons dans la salle. Je vois que vous êtes en train de répondre. Nous avons 270 réponses qui sont arrivées à peu près, 300, voilà, on passe la barre des 300. Donc, merci pour votre rapidité. Je vois que tout ça est fluide, bravo à l'équipe qui a organisé tout ça au passage. Voilà, on se donne quelques instants pour que vous puissiez aller au bout. Je vois que ça commence à bouger aussi dans le module de chat. C'est à peu près stabilisé, j'ai l'impression. Nous avons nos réponses. Donc, la réponse qui gagne, c'est sur une échelle de 1 à 5, vous y croyez 4 sur 5. On n'est pas loin de vouloir l'appliquer au projet, mais vous êtes à 30% à vouloir l'appliquer à tous vos projets et une moitié à peu près qui dit je suis juste en dessous de ça. Quelques-uns nous ont dit moi, j'y crois pas. Soyez les bienvenus, on va justement creuser ça ensemble et puis regarder ce que ça suppose, ce que ça implique et puis ce que ça permet. Ce qui nous a intéressé dans la préparation de cette conférence, c'est de se dire on va vous donner des exemples issus de notre expérience, donc on va essayer d'être aussi concret que possible dans la présentation de quelques mises en œuvre de démarches d'innovation collaborative et puis ensuite, on va lancer le débat entre nous pour essayer de comprendre à la fois qu'est-ce que ça implique de mettre en œuvre des démarches d'innovation collaborative. Et Sophie, vous le disiez, ce n'est pas de la magie. Y a un certain nombre de prérequis, ça peut mobiliser des budgets, etc. Donc, on va les regarder du côté de ce que ça suppose. Et puis, on regardera également ce que ça permet pour que vous puissiez chacun... de votre côté, vous faire une idée peut-être plus précise de la vertu, de la valeur de ces approches d'innovation collaborative. Ça, c'est notre menu pour aujourd'hui.
pour cette webconf donc, que nous démarrons. Alors, vous êtes sur Zoom, nous allons, je vais partager mon écran, vous avez probablement l'habitude de ça désormais, voilà, et donc logiquement, je vais vérifier aussi auprès de mes camarades, vous devriez avoir le partage de mon écran, Asma, je vois que ça, voilà, ça a l'air bon, formidable. Voilà, c'est, on est sur un support qui est lui-même un support qui permet la collaboration, parce que c'est un support sur lequel on peut, côté organisation, là, interagir à plusieurs. Peut-être que tel ou tel parmi vous a déjà utilisé Miro, Mural, Klaxoon, tous ces outils qui permettent de collaborer à distance. Voilà, alors, je vous le disais à l'instant, sur ce thème de innovation collaborative, comment ça marche, il nous a semblé intéressant pour commencer de vous donner alors, voilà, une vue des différents intervenants. Donc, voilà, ils ont été présentés, me voici. Loïc, Sébastien, du côté du Lab Pôle Emploi, soyez les bienvenus, Loïc et Sébastien. Et puis, François et Emmanuel, du côté du CHU de Montpellier, bienvenue à vous également. Il nous a semblé intéressant de prendre le temps avec vous. Alors, vous voyez trois moments dans notre conférence aujourd'hui. Un premier temps qui va être très rapide autour de la définition de l'innovation collaborative, de quoi on parle. Et je vous rassure, on ne va pas lancer un grand cours magistral ou théorique ou soporifique à l'heure de la sieste. Voilà, juste se donner quelques repères. Et puis ensuite, on ira voir avec trois exemples à quoi ça ressemble pour ensuite basculer sur ce que ça implique et ce que ça apporte. Pendant tout ce temps-là, n'hésitez pas à utiliser le module de conversation pour poser toutes les questions qui vous viennent ou pour faire des remarques. Et Asma pourra nous les partager. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? On a choisi ce mot, innovation collaborative, et vous voyez que sur la droite de l'écran, il y a d'autres mots qui sont un peu au même rayon. Facilitation, co-design, intelligence collective, etc. Tout ça, ça décrit à peu près la même réalité. Notre objectif aujourd'hui ne va pas être de faire le débat d'experts pour dire est-ce qu'il faut dire innovation collaborative ou collaboration innovante ou co-design ou co-conception ou co-ceci ou co-cela, mais bien de vous dire, voilà, on choisit pour aujourd'hui le nom innovation collaborative et nous nous disons, voilà, on remet juste les choses un petit peu en perspective. Pourquoi le mot innovation par opposition, effectivement, hein, d'abord le mot innovation par opposition au mot créativité. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction? Parce que pour nous, l'innovation, il s'agit de développer des solutions nouvelles à un problème. Voilà. On cherche la nouveauté dans la façon de trouver la solution. Et là où parfois il y a une différence avec la créativité, c'est sur la portée applicative. Il existe une portée applicative à l'innovation. Il y a un contexte. C'est dans ce contexte que l'on va chercher à améliorer les solutions qui sont proposées. Ça, c'est l'innovation. Et il y a plein de façons de faire de l'innovation. Et vous voyez les petits dessins qui ont été concoctés par Asma, juste en dessous. Et dans l'innovation collaborative, maintenant, eh bien, oui, on cherche bien à développer des solutions nouvelles. Mais on va essayer de le faire ensemble. On va chercher à combiner les différents points de vue, les différentes perspectives, les différentes compétences, les différents talents, tout ça pour que la collaboration puisse se construire et permettre l'innovation. Et c'est là qu'on parle effectivement d'intelligence collective parfois, pour dire voilà, comment est-ce qu'on arrive à prendre un groupe, à le faire devenir une équipe qui se mobilise sur un sujet donné, qui s'empare du problème, le problème étant parfois pas si bien défini que ça, mais justement par la pluralité des points de vue, la pluralité des acteurs, etc., on comprend mieux ce qu'on cherche à résoudre, et puis, ce faisant, eh bien, on peut se mettre en situation pour concevoir des solutions qui sont robustes parce qu'elles ont été éprouvées par les personnes mêmes qui vont les utiliser, qui vont les déployer, etc. Voilà, on ne va pas faire beaucoup plus long pour l'instant, et vous verrez que dans les prochaines séquences, eh bien nous allons entrer plus en détail sur des éléments de définition. Ça nous semblait important de dresser un peu ce fond de décor pour démarrer cette conférence. Nous allons donc avancer
Et on va passer donc à trois présentations. Ça a été mentionné tout à l'heure. Il y a trois choses qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. On va pouvoir regarder l'exemple d'Hospitalan, la démarche Hospitalan qui va nous être présentée par Emmanuel et par François dans un instant. Dans un deuxième temps, on regardera l'exemple du lab Pôle emploi et de son déploiement notamment. Et puis, dans un troisième temps, Sophie nous en parlait aussi en introduction tout à l'heure, on vous fera un retour d'expérience sur l'accélérateur 51, qui est un des dispositifs qui soutient le dispositif article 51. Voilà. Emmanuel, François, c'est à vous. Je vous passe la parole. On va se donner à peu près 5 minutes pour chaque éclairage, pour qu'ensuite on puisse lancer la discussion. Donc voilà, c'est, y a pas un train dans 5 minutes, hein, c'est indicatif, mais pour que vous tous qui nous entendez, vous ayez les choses un petit peu en tête, voilà, on prend 5 minutes 3 fois de suite pour 3 exemples comme une façon de lancer la conférence. Okay. Emmanuel, François, à vous. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir invités à cette webconférence. Alors, François peut-être s'exprimera après. Je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'a été la démarche Hospitalan qui est toujours en cours au CHU de Montpellier. Et peut-être commencer par vous dire qu'on n'est pas, des experts de l'innovation collaborative. On vient vraiment témoigner d'une expérience singulière assez modestement sur lequel ben, on est toujours en train d'apprendre finalement et de poursuivre ce cheminement avec les gens qui y participent. Donc, juste pour resituer cette expérience-là, en fait, en 2018, on écrit notre projet d'établissement. Et pour la première fois dans ce projet d'établissement, on rédige ce qu'on appelle un projet managérial. Et dans ce projet managérial, on se dit, il faut peut-être qu'on ait un axe de travail autour d'une idée qui est sortir du cadre. Et donc, derrière cette idée de sortir du cadre, il y a l'idée et l'intuition en réalité que peut-être on peut faire différemment pour essayer de susciter autre chose dans les collectifs de travail et qu'on a quelque chose à chercher autour de ça. Et j'allais dire, de manière un peu fortuite, on croise la route de deux jeunes directrices d'hôpital qui sont au ministère de la Santé et qui travaillent sur ces sujets d'une communauté d'innovation collaborative qu'elles ont envie de porter, qu'elles ont déjà commencé à constituer, qui s'appelle Hospitalan. Et avec deux intentions, en fait. La première, c'est essayer de diffuser la culture de l'innovation collaborative au travers d'événements de type sprint et hackathon que peut-être certains d'entre vous ont déjà expérimenté. Donc, pour déjà commencer à mettre en exercice ou en expérimentation ce type de démarche, mais aussi avec l'idée de faire vivre des communautés d'animation, d'innovation, plus durablement, donc de l'inscrire dans un cheminement plus institutionnel. Donc, bah, on croise ces personnes-là, on revient au CHU en se disant bah, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait traiter au travers de ce programme Hospitalan. Et on se dit, bah, on a quand même un sujet assez transversal qui est le travail en équipe, comment réinventer le travail en équipe. Et donc, on acte qu'on va essayer d'avancer sur ce programme-là avec cette intention-là. Et on se lance dans une session en fait de préparation d'un événement qu'on va co-designer. On aura l'appui de la NAP qui nous accompagne et puis d'un prestataire extérieur aussi. Et donc, on va avec un petit groupe de cadres, avec un sponsorship qui est assez important puisque le DGA de l'époque travaille aussi avec nous sur cette construction d'événements, à designer une journée autour de cette thématique. On va construire 12 défis, vous les avez là devant vous, donc ils vont de réinventer nos espaces de travail à comment faire progresser mon chef, voilà, donc des choses qui sont assez diversifiées, mais plutôt intéressantes. Et donc déjà dans cette expérience de préparation, bah, il se passe quand même plein de choses. On découvre la façon dont on peut mettre un peu la créativité au centre du jeu et nous-mêmes nous mettre en exercice autour de cette conception de journée. On fait un appel à volontaires au niveau du CHU de tous horizons pour participer à cet événement. Et finalement, le 16 mai 2019, on réunit 120 personnes autour de ces 12 défis. On forme 14 équipes et donc on passe une journée on va dire de très grande intensité, vous en avez peut-être vécu certaines, donc une très grosse énergie,
une très forte intention, une très forte collaboration, des gens qui se croisent et qui viennent d'horizons assez différents de l'hôpital. Donc, il se passe quand même des choses aussi hyper, hyper riches, intéressantes. On crée ce qu'on a appelé un marketplace à la fin de la journée pour faire venir des gens qui ont des responsabilités à l'hôpital et qui peuvent venir se saisir des idées qui émergent au terme de cette journée. Ces idées, elles sont prototypées, elles sont pitchées, donc il y a vraiment une interaction super intéressante qui se produit à ce moment-là. Et forcément, de suite après, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Comment on continue cette aventure ? Avec là aussi une véritable envie que le parcours ou le chemin de ces idées se poursuive. Surtout, notre crainte, c'était, on ne veut pas que ce soit une journée événement gadget et qu'il n'y ait pas de sens dans l'institution. Donc, on veut vraiment l'inscrire dans la durée. Et ce qu'on constate quand même aussi, c'est que les idées qui sont sorties de cette journée, on a vraiment l'intuition qu'elles ont du potentiel, qu'elles ont un vrai potentiel. Donc, on se dit, il faut absolument qu'on essaye de continuer à accompagner un peu plus durablement que cette journée les équipes. Et donc là, on va être aidé avec l'appui de la NAP et un cabinet de design qui s'appelle Vraiment Vraiment. Et on va maintenir des temps collectifs où on travaille cette dynamique d'équipe. Et puis, on essaye aussi d'acculturer un peu les gens qui participent à l'expérience à l'idée qu'on peut arriver à porter des projets en mode un peu essai-erreur ou test and learn. En tout cas, que l'expérimentation a sa place dans ces projets. Donc là, on est en 2021. Bon, on a tous vécu une année de césure à l'hôpital, peut-être encore plus qu'ailleurs. Enfin, bon, en tout cas, l'année 2020 a été un petit peu mise entre parenthèses sur ces temps-là, ces temps forts. On a eu un peu de mal à les entretenir. Mais pour autant, on est en train de les reprendre. À l'heure actuelle, on a encore 5 équipes et 5 idées qui sont dans des phases d'expérimentation et de tests. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une période où on a un peu hâte d'envisager un peu le passage à l'échelle et se dire, elles ont du potentiel, ces idées, comment on peut les connecter à des choses qu'on fait déjà dans notre institution et comment, du coup, ça pourrait vraiment venir potentialiser toutes les idées qu'on a déjà ou tous les projets qu'on porte déjà. Pour vous donner une idée, on est en train de réfléchir à la façon dont on met en place l'évaluation professionnelle dans l'établissement. Donc ça, c'est un projet assez transversal dans l'établissement. Dans le projet Hospitalan, il y a une idée qui est ressortie autour d'un feedback 360, un peu inspiré des évaluations 360. Et finalement, on se dit comment on connecte cette équipe qui est en train de tester un modèle de questionnaire partagé entre manager et manager et notre projet finalement d'évaluation professionnelle dans le CHU. Donc voilà, on est dans cette phase-là. Donc clairement, je pense que François en parlera après. On sent Emmanuel, une minute pour conclure, Emmanuel. Ouais, je conclue, ok. Voilà, on sent qu'il y a du potentiel. Après, on voit aussi les difficultés peut-être à faire vivre dans nos grandes boutiques, très organisées, voire très silotées, ce genre de démarches qui viennent percuter un peu les organisations en place, faut bien le dire. Donc on se dit qu'on a une voie à trouver dans cet environnement-là. On est aussi impatients d'écouter les expériences des uns et des autres parce qu'on a envie, je pense, de mener une réflexion encore plus avancée sur ce sujet de l'innovation et voir comment on peut l'intégrer davantage dans nos pratiques et dans nos organisations. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, vous voyez que vous avez ce que vous avez sous les yeux, là, le miro vous sera transmis, Asma, c'est bien ça. Et donc, vous avez les supports que nous avons eus sous les yeux. Puis, pour aller plus loin, vous verrez qu'il y a quelques documents là, qu'on voit en vignette en dessous, mais donc vous aurez ces différents éléments. Alors, on va enchaîner avec une deuxième présentation. On quitte un instant le secteur de la santé pour aller du côté de Pôle emploi. Et donc là, c'est Sébastien, Loïc, qui sont acteurs de ce lab de Pôle emploi. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter en 5 minutes, là ? Alors, en 5 minutes, merci, déjà, et bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on va vous raconter ? L'innovation collaborative peut prendre la forme d'un lab en intelligence collective.
Et c'est ce que nous avons mis en place à Pôle emploi depuis donc septembre 2014, avec la création de ce lab qui est inauguré par le directeur général de Pôle emploi. Voilà, et donc c'est vraiment un outil de transformation de Pôle emploi qui permet d'accélérer les projets prioritaires, complexes, multidimensionnels, avec et pour les usagers, hein, donc pour nous, les demandeurs d'emploi, les entreprises, mais c'est aussi les partenaires et c'est aussi les collaborateurs de Pôle emploi qui sont dans le réseau, qui sont en première ligne, donc dans les 900 agences notamment de Pôle emploi. Et puis, on permet également de diffuser ces méthodes en intelligence collective au sein de l'organisation pour répondre à des problématiques que rencontrent de nombreux projets, notamment ce travail en silo. Et donc, le lab est une vraie réponse en transversalité. Et donc, il y a eu la création du lab en septembre 2014. Depuis, puisqu'on parle du déploiement aussi du lab, eh bien, depuis 2016, on a créé donc plusieurs labs dans les régions. On a constitué un réseau de labs. Aujourd'hui, on a 8 labs physiques incarnés par un lieu qui sont répartis dans les différentes régions Pôle emploi. On a 14 labs itinérants, donc qui permet d'irriguer un territoire avec l'intelligence collective. Vous avez bien compris, c'est bien faire de l'innovation collaborative avec les demandeurs d'emploi, les entreprises, donc nos usagers et puis les collaborateurs de Pôle emploi. Et puis, on a aussi, même on est en train de tester même un lab dans une agence en ce moment. Et donc, il faut savoir que le lab a été mis au tout début sous la forme d'un POC, hein, ce qu'on appelle faire la preuve du concept, hein, au travers Proof of Concept, qui a traité le premier projet qui est passé par le lab. Le premier projet qui est passé par le lab, c'est la plateforme qu'on appelle Emploi Store. Il y a eu 32 sessions en intelligence collective entre octobre 2014 et décembre 2014, avec plus de 100 participants. Donc, des demandeurs d'emploi, des entreprises, mais au-delà des collaborateurs de Pôle emploi, mais aussi des startups avec la direction des systèmes d'information de Pôle emploi et un certain nombre d'expertises et qui ont permis de pouvoir, en intelligence collective, de pouvoir travailler à 14 livrables qui ont irrigué les différentes directions de Pôle emploi pour une mise en œuvre rapide. Et donc, ce qui a été fait en 9 semaines, en mode classique, il aurait fallu à peu près 8 mois pour faire l'équivalent. Et c'est ça la force aussi de cette modalité de fonctionnement, c'est de pouvoir de réunir toutes les parties prenantes par rapport à un projet pour pouvoir aboutir à des résultats très rapidement. Donc, c'est vraiment un accélérateur de projet. Et bien évidemment, eh bien, une session lab, là on en est à notre 136e session, il y a eu plus de 6000 participants. Et donc voilà, une session lab, en moyenne, c'est à peu près 45 participants. Et donc c'est 2 jours de temps en moyenne aussi. Et voilà, tout ça est bien rythmé et ça permet d'avoir des temps d'inspiration, des temps d'idéation, des temps d'expression. De idéation, génération d'idées, et puis de pouvoir co-construire ensemble avec les usagers et les collaborateurs de Pôle emploi du réseau eh bien, des solutions qui vont répondre à des demandes bien précises pour améliorer les services. Et comme le disait Nicolas, pour nous, l'innovation, elle doit être effectivement concrète, elle doit avoir cette portée applicative, comme tu le disais, Nicolas. Et c'est important d'être dans ce format-là et d'apporter des éléments très concrets. Donc, effectivement, il y a des règles du jeu où on va pousser les participants à sortir un peu des sentiers battus pour voir, voilà, ce n'est pas forcément si évident que ça d'avoir 45 personnes avec des profils très divers, avec des expériences très diverses. De pouvoir les réunir ensemble pour pouvoir produire des solutions. Alors, ça passe par tout un séquencement qui est prévu, tout un cheminement. Et voilà, avec quand même des éléments, il y a un lieu donc, qui est vraiment prévu pour ce travail en innovation collaborative. C'est cette capacité de réunir toutes les parties prenantes. C'est aussi un état d'esprit où on vient avec son prénom, on ne vient pas avec son grade ou sa fonction.
On vient avec son expérience pour exprimer ses convictions et pouvoir ensemble trouver des solutions. Voilà. Après, on mobilise effectivement des différentes méthodes et techniques qui aident à cela. Merci beaucoup Loïc pour ce premier tour d'horizon et puis on va pouvoir approfondir dans un instant. Vous voyez qu'ici aussi sur le support Miro qui a été préparé pour aujourd'hui, vous avez voilà, des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin. Alors on a un troisième témoignage et là je vais mettre ma casquette d'intervenant pour vous parler de l'accélérateur 51. L'accélérateur 51, donc certains d'entre vous connaissent ce dispositif qui est venu voilà, s'inscrire en soutien de l'article 51. Alors, je vais vous raconter l'histoire parce que j'étais dans l'équipe des prestataires qui ont développé cet outil-là. Voilà, donc j'ai vérifié avec les équipes CNAM notamment que c'était OK pour présenter ça. Et donc, je suis heureux de vous présenter ça. Voilà, est-ce qu'innover en santé, c'est facile ou pas si facile que ça? Ce que vous voyez ici à gauche, c'est le cycle de vie d'un projet article 51, tel que rêvé parfois par certaines parties prenantes. On a une idée, on exprime tout ça dans un cahier des charges d'une expérimentation. On inclut un premier patient, s'en suit tout un nombre de patients jusqu'à ce qu'on se dise, c'est génial, généralisons. Et puis, en fait, ce n'est pas si facile parce que entre l'idée et le cahier des charges, ça peut tourner dans tous les sens, ça peut s'arrêter, ça peut, voilà, ça peut pivoter, pour prendre un des mots à la mode dans l'innovation, jusqu'à ce que le cahier des charges soit un objet qui reflète effectivement ce qu'on va chercher à faire et que ce cahier des charges soit autorisé. Et puis, il y a encore pas mal de boulot jusqu'au premier patient. Et le premier patient, ben, en fait, c'est le premier contact avec la réalité. Et ce qui se passe derrière est vraiment une expérimentation, c'est-à-dire que ça secoue tous les jours. Chaque jour, on découvre un certain nombre d'éléments à l'épreuve du réel, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point généralisation. C'est la logique d'expérimentation aussi. Parfois, on va dire oui, on généralise, et puis parfois, on dira non, en fait, on ne va pas le faire. Et ce stop ou encore va se jouer à plusieurs moments de l'expérimentation. Voilà, donc si l'innovation n'est pas si facile, il s'est agi lors de la mise en œuvre de l'article 51 de se dire comment est-ce qu'on peut soutenir ça. Et donc, avec les équipes du ministère, avec la NAP, avec les équipes de la CNAM, etc., nous avons réfléchi à un dispositif et on a fait trois paris que vous avez ici sous les yeux. Le premier pari, c'est celui du pluridisciplinaire, en disant ce qui fera une bonne expérimentation article 51, c'est que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les personnes qui vont opérer, qui vont mener les soins, faire les soins sur le terrain, les personnes qui vont créer le système de financement, ceux qui vont valider le cadre de l'expérimentation, ceux qui vont encadrer les équipes, ceux qui vont évaluer, tous ces gens-là qui ont chacun un point de vue sur l'objet. Et vous voyez ce petit dessin qui vous dit qu'effectivement, chaque personne voit une facette différente. Eh bien, ça a été de dire, gagnons du temps, sortons d'un système en étoile où un chef de projet s'épuise à aller prendre de l'info auprès de tout un tas de parties prenantes et essaye de recoller un peu les morceaux ensemble. Donc, pluridisciplinaire. Et puis, focaliser pour dire qu'il y a tout un tas de sujets lorsqu'on mène une expérimentation article 51. Il faut qu'on regarde le parcours patient, l'organisation des équipes, il faut qu'on regarde le modèle économique, le circuit de facturation, j'en passe. Tout un tas de sujets. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faudrait qu'on les aide, une fois qu'ils sont tous ensemble, à se focaliser sur un sujet à la fois. Pour éviter le syndrome, on a parlé de tout, mais on a avancé sur rien. Et puis, le troisième point, qui est un peu un écho au pluridisciplinaire, mais qui n'est pas une évidence, c'est le côté, une fois qu'on a tout le monde dans la pièce, comment faire pour que ça soit collaboratif? Comment faire pour qu'on mette les personnes à parité? Comment faire pour faire tomber ce qui peut parfois ralentir la conversation, qui est, s'il y a telle personne très importante dans la pièce, donc c'est elle qui sait, et donc moi, je n'ai pas voix au chapitre, etc. Comment mettre un groupe en collaboration? Voilà. Donc ça, c'était nos trois paris. On s'est dit, il faut qu'on trouver une façon de faire du pluridisciplinaire, du focalisé et du collaboratif. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a
proposer que ces personnes se rassemblent dans des ateliers d'un format d'une journée à peu près. Vous voyez une carte là avec différentes îles, chaque île étant une intention importante pour le projet. Alors, soit on est dans l'imagination de la solution, soit dans le partage, soit dans la conduite du projet. Et on a dit à nos participants, on a dit à nos groupes pluridisciplinaires, c'est vous qui allez nous dire de quoi vous avez besoin. Et la première discussion que vous allez avoir ensemble, c'est celle de dire, vous en voyez un exemple ici avec As du Cœur, sur quoi est-ce qu'on a besoin de travailler en priorité ? Voilà. Et donc, on ne leur a pas dit, d'abord, vous ferez telle étape pour ensuite faire telle autre, mais on leur a dit, vous allez vous déterminer ensemble. Et puis ensuite, conduire une conversation, vous voyez sur ces photos, qui permet de se clarifier. Alors, on a un exemple ici d'un parcours patient. Quand on se met dans les chaussures de Martin, 65 ans, transplanté suite à un cancer, qui est dans un centre en Bretagne, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va lui proposer comme modèle de soins ? Et s'accorder en partant de l'utilisateur sur ce qu'on va chercher à faire, créer du langage commun là-dessus, permettre à chacun d'aller prendre le stylo à tel ou tel ou tel moment dans la journée, permet de faire la différence. Voilà. Et puis, un moment qui était très apprécié de tout le monde aussi, qui est quand, à la fin de la journée, on essaie de se projeter un peu et de se donner une ambition, en disant quand est-ce que notre cahier des charges est prêt, par exemple. Alors, certains disaient la semaine prochaine, les autres disaient on n'y arrivera pas, c'est dans 2 mois. Ben non, dans 2 mois, ce n'est pas suffisant, etc. Et tous ces ajustements collectifs sont des moments où le groupe se détermine, clarifie des choses, etc. Voilà, pour aller plus loin sur ça, vous aurez aussi un petit film ici de présentation. Le dispositif a fait l'objet d'un récit d'expérimentation. Bravo particulier à Valérie qui est dans la salle virtuelle aujourd'hui pour sa détermination, son opiniâtreté là-dessus. Vous pouvez télécharger, c'est un document d'une vingtaine de pages qui explique tous les partis pris. Et puis un site qui présente la méthode qui a été utilisée. Voilà pour le tour d'horizon de trois mises en œuvre de l'innovation collaborative. Alors, on va avancer. On va avancer sur la base de ces éléments pour aller voir maintenant ce qui est vraiment le cœur de notre conférence aujourd'hui, cet échange entre nous, un échange que je vous propose d'entamer dans un instant, Loïc, Sébastien, Emmanuel, François, échange à bâton rompu pendant lequel on va prendre quelques notes. Là, je suis assisté de Valérie qui va m'aider là-dessus. Vous avez ce code couleur assez simple en rose. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça suppose, en d'autres termes, de mettre en œuvre des démarches d'innovation collaborative ? Et puis, en vert, qu'est-ce que ça apporte ? On a 25 minutes à peu près là maintenant pour faire rebondir nos différentes expériences et nos différentes perspectives autour de ces deux questions. Donc, je remets ma casquette d'animateur du débat. De temps en temps, je mettrai la casquette d'intervenant. Qui veut ouvrir le bal ? Qui veut nous donner un premier élément dans votre expérience ? Qu'est-ce que ça implique et où qu'est-ce que ça apporte ? Alors, je vois Loïc hésite à prendre la parole. Allez, non, c'est mon micro. Donc, ce qui est important, je pense, au départ, c'est d'abord un portage. Et on a eu effectivement au plus haut niveau de la décision à Pôle emploi un appui très fort de notre directeur général et du comité de direction générale. Même s'il a fallu quelque part faire sa preuve au départ, puisque je parlais de la plateforme en Plastor, mais après, comme ça a répondu aux résultats attendus, le lab a été pérennisé. C'est pour ça qu'on a fait ces dispositifs dans les labs régions Pôle emploi. Donc, je pense que déjà, ça part d'un portage fort des décideurs de l'organisation dans laquelle on se trouve. Sachant qu'effectivement, tu nous parles du lab et je pense qu'on peut appliquer ça à toute démarche d'innovation collaborative. Il y a un moment où des décideurs dans l'organisation au sens large disent « Ok, faisons le pari de l'innovation collaborative et on va vous soutenir ». Oui. Alors en plus, ça se traduit par un projet stratégique. Le projet stratégique pour l'emploi 2012-2015 positionnait l'innovation comme l'une des 6 priorités, d'où le travail justement sur l'innovation collaborative. Et le lab, d'ailleurs, est une des briques de l'innovation
collaborative à Pôle emploi, il y a plein d'autres briques. Ok, merci pour ça Loïc. Si on fait un ping-pong, si on va du côté du vert, là, qui veut réagir du côté du vert? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça permet l'innovation collaborative? Ce que ça apporte clairement, c'est permettre aux acteurs qui ont envie de s'engager dans ce type de démarche, et je dis qui ont envie, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors c'est peut-être un peu ce qui implique, mais ce que ça apporte, c'est la possibilité de rentrer dans une façon de penser, dans une façon d'aborder une problématique un peu différemment. Au CHU de Montpellier, je ne vais pas rentrer dans un détail absolu, mais on est au début d'une histoire, on n'est pas encore complètement dans l'opérationnalité de ce sujet-là, ça prend énormément de temps. Il faut accepter d'une certaine manière de perdre du temps pour aussi, j'allais dire, intégrer un certain nombre d'éléments dont on est certain qu'en revanche, et j'y reviendrai plus tard peut-être, il soit possible de les faire en sorte que le terreau fertile soit là. Donc, ce que ça apporte, en gros, c'est une façon de penser, c'est une façon d'aborder une problématique un peu différente. Alors, je lisais, c'est très intéressant de voir tout le chat à côté et à droite parce que ça nourrit en fait la réflexion. Ça permet de sortir du cadre, mais un cadre, et j'insiste sur ce point, un cadre qui apporte de la sécurité néanmoins. C'est-à-dire que si on veut penser autrement, il faut se dire on a le droit de penser autrement et donc globalement on est dans un cadre qui autorise d'une certaine manière à parler différemment. Merci beaucoup François. Je veux bien rebondir là-dessus effectivement pour vous dire que alors dans nos métiers d'innovation collaborative, il y a la partie visible de l'iceberg qui est une personne dans une salle. Voilà, équipé de façon un peu particulière, qui dit bonjour à tous. C'est un rôle de facilitateur. Et puis, qui va dire voilà par quoi on va commencer, voilà ce qu'on va faire cet après-midi, qui régule la parole, etc. Ça, c'est la partie visible. Et puis, il y a toute la partie immergée de l'iceberg. Et dans cette partie immergée, par rapport à ce que vous dites, effectivement, François, il y a tout ce travail de préparation qui est lui-même un travail pluridisciplinaire par rapport à ce que je partageais sur l'accélérateur 51. C'est un travail dans lequel voilà, ça implique un alignement d'un certain nombre de parties prenantes sur le sujet, un alignement justement sur le fait d'ouvrir à la collaboration et donc de créer cet espace, ce cadre dont vous parlez François à l'instant. Alors, si je fais deux secondes du jargon, nous on parle d'espace autorisant, c'est-à-dire on crée un espace protégé, un espace dans lequel les personnes vont oser dire les idées les plus farfelues. Pourquoi? Parce que mon idée farfelue plus la vôtre multipliée à une troisième va peut-être donner l'idée dont nous avions besoin et qu'on n'aurait pas pu attraper comme ça. Sébastien, tu veux rebondir? Sur ce que ça apporte par exemple? Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, Nicolas, sur le travail de préparation et l'alignement. Enfin, ce serait de la redite, donc on est totalement d'accord. Sur ce que ça apporte, en fait, on a une dimension en fait, de réengagement ou d'engagement. On sait que voilà, le contexte d'un travail peut être assez difficile, notamment actuellement. Et il peut y avoir une forme de désengagement qui peut arriver pour des raisons X ou Y. Et ces temps, en fait, c'est un peu comme une parenthèse qui est donnée aussi à des participants, où on peut se re-questionner sur le sens d'une stratégie d'entreprise, sur le sens d'un projet également. Et ce réengagement, en fait, arrive presque naturellement, en fait, grâce à ce travail de préparation. Mais en tout cas, il y a un très fort réengagement qui peut se produire suite à des outils, en tout cas, ou des éléments d'intelligence participative et collective. Merci, Sébastien. Tu veux rebondir ? Peut-être en complément de ce que disait Sébastien, je trouve que moi, ce que je constate, c'est quand même que ça modifie le regard qu'on porte les uns sur les autres, en fait, hein, de mettre la parole de chacun au même niveau d'une certaine manière. Ça a une fonction probablement libératoire en termes d'idées, d'innovation, mais il me semble que derrière, ça a un impact quand même sur la posture, aussi au quotidien. Enfin, il se produit quelque chose au-delà du temps fort. Et ça, je trouve que c'est ça qui est quand même super intéressant dans ces démarches-là. Enfin, moi, pour essayer d'en mener une aussi à mon petit niveau avec mes équipes, je trouve qu'il y a ça. Il y a quelque chose de plus durable, en fait, que le temps où on se rassemble. Et c'est vrai que ça re-questionne beaucoup les postures, notamment les postures managériales, probablement, à moyen et long terme, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Moi, je veux bien rebondir là-dessus, sur le, à la maille des, d'un atelier d'innovation collaborative. L'impression que j'ai ou mon expérience, c'est que ce qu'on permet, en fait, c'est de renforcer l'envie de coopérer. Et l'envie de coopérer, elle est fondée notamment sur la compréhension des enjeux de l'autre. C'est-à-dire que je vais faire une grosse caricature, d'accord ? Je suis un acteur de la santé, j'ai envie de proposer une innovation. Ça fait 3 fois que j'envoie mon dossier sur une boîte mail un peu impersonnelle. Et je reçois un message un peu impersonnel de quelqu'un qui m'explique pourquoi ça ne va pas, je peux me retrouver à râler contre la personne qui m'a dit ça ne va pas. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui ne va pas. Voilà. Et d'un seul coup, mettez ces personnes-là dans la même pièce, faites-les parler sur leur champ de contraintes, faites-les comprendre que quand l'autre me dit ça, ce n'est pas juste parce qu'il n'a rien pigé au film, passez-moi l'expression, mais parce qu'il porte d'autres enjeux et parce qu'en fait, ma compréhension de la complexité était partielle jusqu'à maintenant. Ah, génial, ça y est, on a mieux compris, on va pouvoir chercher ensemble comment est-ce qu'il y a une faille ou un interstice qui va nous permettre de trouver une solution et de passer ensemble. Je rebondis sur Nicolas, ce que tu viens de dire, effectivement. En plus, ça fait des solutions adaptées aux besoins et aux attentes, en fait, hein, à la fois des usagers et puis des collaborateurs de Pôle emploi. Pour ce qui concerne le Pôle emploi. Et donc, ça, c'est un élément important. Et puis, ça donne aussi une fierté d'appartenance, hein, pour les collaborateurs de Pôle emploi, le fait de pouvoir être écouté, de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir émettre des idées et quelque part d'en voir leur traduction au travers de ces sessions en intelligence collective. C'est des éléments très puissants, en fait. Et qui doivent aboutir à des résultats concrets. Je reviens toujours là-dessus. Alors, si je peux me permettre juste d'aller dans la suite de Loïc, c'est important sur la notion de solution concrète. Le fait de trouver des solutions sur les irritants du quotidien, sur des choses qui, dans le quotidien, pour les usagers, que ce soit alors, à l'hôpital, ce sont nos patients, mais les usagers internes aussi de l'hôpital, ce sont les professionnels qui circulent aussi dans l'hôpital, qui ont besoin au quotidien d'avoir des éléments. Trouver, se pencher, avoir un regard sur, finalement, le dysfonctionnement. On est assez proche pour les hospitaliers de l'événement indésirable. Alors là, on est sur des événements indésirables qui ne sont pas forcément uniquement des sujets liés aux soins, mais sur des irritants du quotidien. La pochette du patient qui va arriver sans l'ensemble des éléments, la prise de rendez-vous qui ne va pas aller. Comment on peut aborder et mettre ensemble les différents acteurs du processus, du parcours, dans une pièce, avec des méthodes qui effectivement qui sortent un peu des sentiers battus, et de trouver des choses extrêmement complètes dans un temps réduit. Et je pense que cette dimension-là est de trouver finalement une réponse très opérationnelle. Et du coup, vous créez un sentiment, c'est très important ce qu'a dit Loïc, le sentiment d'appartenance, parce qu'en fait, finalement, collectivement, sur le même sujet, sur le même parcours de prise en charge, sur le même processus. Et on a mis les différents acteurs qui, parfois, sont silotés les uns après les autres parce qu'ils se succèdent au chevet du patient. Et ils vont trouver cette solution ensemble pour améliorer, finalement, et avoir un sens et une finalité commune sur des choses du quotidien. Et il n'y a pas… ça peut se faire… Moi, je pense qu'il faut partir du quotidien pour amener le sentiment d'adhésion à cette démarche-là. Ensuite, on peut l'amener sur d'autres éléments plus stratégiques, mais déjà, ne serait-ce que faire en sorte que les acteurs de tous les jours, dans la prise en charge de tous les jours, puissent discuter d'un sujet auquel ils sont l'un et l'autre confrontés, est un élément extrêmement, extrêmement important. Peut-être en rebond là-dessus, François, alors on a vu ici dans ce que ça implique, c'est… de se mettre en capacité de produire des solutions concrètes. J'en rapproche un juste à côté, qui ça implique de définir et de définir ensemble, là, à nouveau, dans cette équipe plurielle de préparation, les objectifs et les livrables attendus. Et là-dessus, dans notre métier, on a un niveau d'exigence sur… on ne s'est pas bien compris, est-ce que l'objectif, c'est A ou A' ou AB quart ou A dièse ou etc., qui est un peu au-dessus de la moyenne. Parce que derrière les mots parfois un peu valises, et je fais
Enfin, je ne fais pas de critique aux personnes qui font ça, je fais des critiques à ce que les organisations créent. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, on va faire un grand séminaire. Pourquoi ? Pour recréer de l'engagement. OK. Une fois qu'on s'est dit ça, demandez aux 10 personnes qui sont autour de la table de dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement recréer de l'engagement ? Qu'est-ce qui ne va pas se passer de la même façon entre avant et après, une fois que nous aurons recréé de l'engagement ? Qu'est-ce que ça va produire très concrètement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est de l'engagement ou du sentiment d'appartenance ou de la capacité d'initiative ou etc. etc. Et le fait de ne pas lâcher là-dessus et d'avoir cette conversation en amont des moments d'innovation collaborative permet d'arriver avec un terrain de jeu très clair, avec un « voilà pourquoi nous sommes là » très clair, même si ensuite, parfois, il nous arrive de voir qu'au cours d'un atelier, le « voilà pourquoi nous sommes là » change complètement. C'est-à-dire que tout un tas de gens avaient préparé l'atelier en se disant « c'est pour ça qu'on est là » et puis d'un seul coup se révèle le sujet qu'on n'attendait pas, mais qui se retrouve être en plein dans le chemin. Et donc, on n'a pas d'autre choix, une fois que tout le monde est là, que d'y aller. Mais on a nommé l'éléphant dans la pièce. Et on va réajuster les choses et on va se redire, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ça qu'on veut produire ? Pour que toute cette mousse qu'on fait dans les ateliers collaboratifs reste pas juste de la mousse, mais que ça puisse s'incarner dans quelque chose qui soit utilisé derrière, qui soit le plus durable possible, etc. Pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, ça me fait penser quand même au fait que c'est un métier de faire ça. Enfin, en tout cas, ça se manage un peu l'innovation, il faut des compétences, quoi. Et c'est vrai que l'expérience qu'on vit ici, là, nous fait toucher du doigt ça. C'est qu'à un moment donné, tout à l'heure, on parlait d'espace sécurisant, etc. Tu parlais de la préparation de ces temps-là. Et c'est vrai que nous, on est en questionnement là-dessus. Sur les compétences et sur le fait de former des managers à ces approches-là, mais peut-être aussi, et je pense que c'est l'enjeu des labs, probablement, je pense que beaucoup se questionnent sur est-ce qu'ils font un lab ou pas au final pour porter ces sujets-là. En tout cas, le lab, ça a, de mon point de vue, la vertu de protéger un peu, d'être un espace un peu sécurisant et probablement aussi dans lequel on met des compétences pour accompagner, pour préparer. Et ça, c'est aussi un sujet, de mon point de vue. Oui, par rapport à ce que dit Emmanuel, effectivement, il y a quelque chose de très fort, puisque ça joue aussi sur le management. Hein. Le management à la fois au quotidien, avec la relation entre un collaborateur et son manager, mais ça joue aussi sur le management de projet, avec ses différentes formes qu'on peut mettre en travaillant en intelligence collective. Et ça, c'est des éléments très, très intéressants. Ces nouvelles méthodes aussi de travail permettent également, je pense aussi, c'est une opportunité pour une grande ouverture. Une grande ouverture, c'est permettre aussi de pouvoir nouer de nouveaux partenariats, de réapprendre à travailler ensemble avec un partenaire dont le lien s'est peut-être distendu. Et donc, en travaillant sous ces formes-là, ça permet de vraiment d'aboutir là aussi encore à des résultats. On a l'expérience de sessions que nous avons fait avec des organismes, d'autres organismes, parce que nous partageons un public commun. Donc, on a fait des sessions avec la CNAV, avec la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, avec le ministère des Armées sur la reconversion des personnels militaires. Et donc, c'est des sujets qu'on partage en commun, avec des publics communs, et on peut aussi trouver en dehors de l'entre-soi, trouver des solutions qui peuvent intéresser plusieurs entités, plusieurs organismes. Ouais, merci pour ça. Est-ce que tel ou tel veut rebondir ? On essaye en parallèle là, avec Valérie de regrouper un peu les éléments. Ouais, François. Je vais rebondir un peu dans l'idée, parce qu'on est dans le monde de la santé, qu'on vit des moments parfois un peu compliqués en ce moment. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui participent à cette webconférence vivent aussi ce qu'on vit dans les hôpitaux. Nous, on est en train de réfléchir même dès aujourd'hui à se dire, on gère une crise aujourd'hui, on gère une crise importante. La question, c'est la sortie de la crise, parce qu'on va finir par en sortir de cette crise. Dans le contexte qu'on a vécu, le contexte très difficile qu'on a vécu ces derniers temps, dans un contexte national où on a parlé beaucoup de simplification dans le processus des décisions, on a dit aussi que les hôpitaux avaient été très agiles dans la crise Covid, comment on essaye de
finalement fertiliser le terreau, ou en tout cas travailler sur ce terrain où l'agilité dans cette période très compliquée a été un vrai point fort des établissements. Et comment fait-on en sorte pour ne pas retomber dans ces éléments-là? Il me semble que en travaillant avec ces éléments d'approche collaborative extrêmement participative, avec une façon de sortir un peu des sentiers battus au sens d'organisation dont je rappelle qu'elles sont quand même très verticales, très silotées, c'est un élément assez essentiel de redonner des marges de liberté aux acteurs. Ça, je pense qu'il faut que vous, les autres, ceux qui nous écoutent là, aient cette dimension. C'est-à-dire que si on recommence à retravailler avec les mêmes méthodes qui nous ont amenés à travailler sur l'organisation, sur la performance, sur un certain nombre de sujets, je crois qu'on va peut-être aboutir aux mêmes impasses. Et que cette façon d'aborder ces sujets de manière très collaborative, très participative, c'est vraiment la possibilité de se donner des espaces de liberté et donc du coup d'accepter l'expérimentation, donc d'accepter l'erreur, et donc d'accepter de recommencer. Et par ce truchement-là, on est dans une démarche où pour le coup, c'est un nouvel état d'esprit qui émerge. Et j'insiste, parce que je vois beaucoup sur le chat la question des méthodes, j'insiste beaucoup sur l'état d'esprit. C'est aussi important que la méthode. C'est essentiel, hein, le temps, les compétences, la formation, mais l'état d'esprit et la constance de l'état d'esprit dans cette démarche-là est absolument essentielle à tous les étages d'une institution. Chez les administratifs, chez les médecins, chez les soignants, en gros dans une logique managériale très transversale à un établissement comme celui d'un CHU. Merci François. Pour rebondir sur ce que tu disais François, en fait, un des apports du lab aussi au sein de Pôle emploi notamment, ça a été justement d'installer cette culture de participative et cette dimension de la culture participative infusé progressivement au sein de Pôle emploi. On a depuis eu pas mal de projets au sein de Pôle emploi. On a consulté par exemple les 45 000 agents de Pôle emploi sur la construction du projet stratégique de Pôle emploi. Donc chacun a été consulté pour le faire. On a aussi un projet au sein de Pôle emploi qui s'appelle Performance par la confiance qui vise justement à libérer ces initiatives, à donner un peu moins de verticalité, à renverser un petit peu le jeu de pouvoir. C'est quelque chose qui se construit très progressivement, mais l'idée c'est vraiment de libérer ces initiatives et cette intelligence collective au plus près du terrain, donc les agences, les conseillers, mais aussi les conseillers avec les demandeurs d'emploi. Notamment, on a un projet qui s'appelle l'agence de demain, où l'idée, c'est de mettre en place du design thinking directement au sein des agences, auprès des collectifs. Donc, les conseillers qui vivent dans une agence vont mettre en place ces démarches de design thinking avec leurs propres usagers, donc demandeurs d'emploi et entreprises. Mais c'est quelque chose qui s'est créé progressivement, en fait. Et c'est un des apports en fait, de ces dimensions. On l'a peut-être commencé petit dans un premier temps sur des projets, mais ça s'est diffusé totalement auprès des 45 000 agents de Pôle emploi et notamment auprès du top management. Peut-être en rebond là-dessus, Sébastien, j'ai l'impression que pour les personnes qui nous écoutent, ce que ça suppose aussi, ces approches d'innovation collaborative, ben, c'est effectivement la connaissance d'un certain nombre de méthodes. Et je vois que dans le chat, certains en homme, on a parlé de design thinking à l'instant, etc. On est à une période dans laquelle, je ne vais pas dire qu'il, enfin oui, je pense qu'il sort un bouquin par jour sur voilà comment il faut s'y prendre pour innover, voilà comment faire des ateliers, voilà comment, etc. Donc, à quel sein se vouer finalement, quel pari faire, quel pari prendre au sein de son organisation? Est-ce qu'on se dit, bah, on essaye un peu tout, on verra après? Est-ce qu'on se détermine en disant c'est de cette façon-là qu'on s'y prend, etc. Il y a un petit travail à faire. Pour se dire ça nous semble ce qui va le mieux fonctionner par rapport à notre environnement, à notre contexte, à notre écosystème de parties prenantes, etc. De réussir à se déterminer là-dessus, puis après bien sûr que des personnes au sein de l'organisation puissent être formées à ces différentes méthodes. Et puis après, bah, il y a aussi tout le côté diffusion, et j'imagine que côté Pôle emploi, vous avez aussi cette activité-là de faire connaître, au-delà des personnes qui sont mobilisées sur des ateliers, que l'ensemble de l'organisation comprenne un peu mieux ce que sont ces approches. Alors, on dit innovation collaborative aujourd'hui. Ce qui est souvent pas très loin, c'est de repartir des usagers. Alors, il y a le bénéficiaire final. Dans l'article 51, c'est le patient. Mais on repart soit du patient, mais aussi soit des infirmiers qui sont présents sur le parcours de soins,
ou de tel centre hospitalier, ou de telle association de patients, ou etc. Tous ces gens vivent une expérience de la réalité, et tant qu'on va concevoir nos solutions indépendamment de ce qu'ils vivent, tant qu'on ne se centre pas sur une meilleure compréhension de ce qu'ils vivent, eh ben, c'est comme jouer à Colin Maillard. Et donc, en fait, l'innovation collaborative revient à faire des allers-retours en permanence entre la réalité vécue sur le terrain et puis l'effort de conception, qui est un effort plus abstrait, et, mais qui, en fait, est du côté du monde de la fiction, quasiment. C'est-à-dire que quand on imagine une solution, on l'imagine. On n'est pas... Et donc, comment est-ce qu'on reconnecte les différentes parties prenantes à cet effort d'imagination pour qu'on soit le plus près possible de ce dont le terrain a besoin. Et effectivement, il y avait une remarque tout à l'heure dans le chat qui disait, mais est-ce qu'il peut y avoir de l'innovation sans problème ? Effectivement, il peut y avoir de l'innovation de rupture, ou il peut y avoir une vision, il peut y avoir voilà, tout un tas d'éléments. Le plus souvent, l'expérience que moi j'ai des dernières années, c'est qu'on nous appelle là où ça frotte. C'est-à-dire que les gens se cognent 15 fois par jour au même endroit et nous disent comment on fait pour plus se cogner là, quoi. Peut-être un élément aussi peut-être à considérer, c'est aussi que l'innovation, elle touche tous les domaines d'une organisation. C'est pas uniquement, souvent on a peut-être tendance à focaliser l'innovation sur le numérique, le digital, mais pas du tout. Bien vivant, il faut innover dans ces domaines-là, mais on peut innover sur vraiment tout, et il ne faut pas se mettre des barrières. Donc on peut innover sur l'immobilier, on peut innover sur la qualité de vie au travail, on peut innover sur plein de dimensions. Et voilà, sur les 136 sessions que nous avons réalisées au sein du Lab national de Pôle emploi, on a couvert l'ensemble des domaines de Pôle emploi, que ce soit les finances, la maîtrise des risques, l'offre de services, bien évidemment, aux demandeurs d'emploi, aux entreprises, mais c'est la communication, c'est l'international, avec la mobilité à l'international. C'est aussi voilà, différents secteurs qu'il faut pouvoir... Et voilà. Et là, pour le coup, l'innovation va être, comment dire, tout le monde va se sentir concerné par l'innovation collaborative si on traite de tous les domaines et pas uniquement que d'un domaine. Merci Loïc. Alors, je vais me tourner vers Asma, parce que Asma, pendant qu'on échange joyeusement, fait un gros boulot d'essayer de centraliser là, toutes les questions. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois des questions qui ressortent? Alors, déjà, juste avant de poser les premières questions, j'attire l'attention sur le fait qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y en a énormément, mais on prendra le temps de les reparcourir pour en oublier aucune et de compléter le support que vous êtes en train de regarder avec les réponses, de manière à ce que si vous revenez, alors je ne vous dis pas demain, mais dans quelques jours sur le lien qui vous sera envoyé, les réponses auront été ajoutées aux questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Et du coup, parmi les questions, une des questions qui est ressortie et que j'ai choisi de vous poser en premier parce qu'elle dénote quand même d'une envie de passer à l'action des participants, c'est comment se former et quelles compétences clés faut-il avoir pour ce type d'approche? Eh ben allez, on ouvre le bal. Je vais sur une autre section du miro, hein, c'est bien ça, Asma? Ouais, c'est juste en dessous. Ouais, voilà, on pourra revenir à notre espace ici. Et c'est la première question à gauche. Voilà, et je vais pouvoir comment se former? Disons déjà, il faut penser à la formation action. Déjà, il faut voilà, rien ne vaut. Et d'ailleurs, moi, je pense que pour être un co-designer et un facilitateur en intelligence collective, mobilisant différentes méthodes et de techniques, il faut un peu de temps, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir des sujets très divers pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Et donc, effectivement, il y a de la formation action. Donc, à un moment donné, il faut plonger, il faut y aller. Après, effectivement, il peut y avoir des cursus de formation qui sont assez proches de ce que l'on peut réaliser, notamment, je pense au DU de Cergy Pontoise, le diplôme universitaire de Cergy Pontoise, où il y a un DU sur la facilitation en intelligence collective, le coaching et l'agilité. Donc, c'est un. Voilà, donc c'est. Alors, ça, c'est pas à Cergy Pontoise, ça se déroule à Paris, mais en tout cas, c'est une très, très bonne formation. Alors, pour les salariés, c'est 3 jours par mois. Et c'est un cursus qui dure une année. Alors, je ne veux pas faire peur en disant ça. Après, hein,
Et puis, il y a Co-Design IT aussi fait des formations sur aussi un certain nombre d'éléments sur le design et l'intelligence collective. Et donc voilà, après, rien ne vaut la formation action et il faut un peu de temps et d'expérience pour être agile et à l'aise pour bien mobiliser toutes les techniques. Mais Sébastien pourra peut-être en dire davantage. On a dit beaucoup déjà. Après, on a une chance aussi, c'est que le sujet commence à devenir aussi un sujet qui est très porteur. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément anglophones, il y a quand même une bibliographie qui est en train de sortir depuis quelques temps. Enfin, je voyais dans les échanges aussi là, du chat où tout le monde se passait des références. Il y a énormément d'ouvrages qui sont en train de sortir actuellement sur ces questions de l'intelligence collective, du collaboratif, du design thinking. Et c'est une vraie chance. Ce qu'il faut, c'est voilà, pouvoir les découvrir. Il y a beaucoup de sites internet, il y a beaucoup d'échanges de pratiques qui se font aussi autour de ce sujet-là. Vous avez des associations sur la facilitation et le co-design. Enfin, il y a énormément de choses qui se sont développées en l'espace de très peu de temps. Parce que je me souviens, quand on a commencé, Loïc, en 2014-2015, on avait assez peu de matériaux, en tout cas. Oui, tout à fait. Et puis, il faut... En complément, pas pour faire la pub de la DITP, mais quand même sur le site de la DITP et sur comment faire .modernisation.gouv, il y a plein de partages d'outils et d'expériences qui sont quand même super... super intéressante aussi et sur lequel on peut aller puiser, quoi. Confirme Emmanuel, ils sont top, les outils. Merci pour cette pub. Non, effectivement, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a aussi beaucoup de formations. À nouveau là-dessus, bon, comme d'habitude, j'enfonce une porte ouverte, mais comme d'habitude, je vous encourage à rencontrer un peu des gens qui ont suivi ces formations, si jamais vous souhaitez en faire. Et puis peut-être le point que moi j'ajouterais sur cette première question avant qu'on passe sur une deuxième, Asma, c'est... y aller par étapes, c'est-à-dire faire feu de tout bois et se dire comment est-ce que je passe de ma pratique habituelle à une pratique déjà un peu différente au jour le jour. Et on ne passe pas du jour au lendemain de « j'ai jamais préparé, co-conçu un format d'innovation collaborative » à « ça y est, j'organise un atelier pour 80 personnes en visio et ça va bien se passer ». Mais comment est-ce que je revisite mes réunions d'équipe ? Comment est-ce que je teste des choses à chaque fois pour voilà, petit à petit trouver mes marques, voir ce qui me manque, parce qu'il y a aussi plein de choses là-dedans qui vont être du bon sens et vous allez pouvoir vous y éprouver, etc. Et comment est-ce que, parce que je fais feu de tout bois de mes réunions d'associations de quartier, que sais-je, moi, c'est notamment comme ça que j'ai appris. Hein. Il n'y avait pas de formation, effectivement, lorsque je m'y suis lancé. Et dès qu'il y avait la moindre réunion qui pointait le bout de son nez, je proposais qu'on s'y prenne un peu différemment pour voir. Et puis, je demandais du feedback. En disant, qu'est-ce qui a été pertinent, qu'est-ce qu'on ferait différemment, etc. Donc, ne pas hésiter aussi à se lancer dans tout ce qu'on a sous la main en complément. Je vous propose qu'on passe à une autre question. Alors, la question suivante, enfin, il y en avait plusieurs qui sont revenus autour de ce sujet-là, c'est comment financer ces temps de réflexion collective et plus globalement, du coup, combien ça coûte par rapport à une démarche classique? Je vous laisse répondre à la première partie de la question, mais je veux bien prendre un bout de la deuxième. Alors, peut-être pour financer sur le financement, il faut savoir qu'il y a eu un investissement effectivement au démarrage du LAM national de Pôle emploi, mais en 10 sessions, il y a eu un retour sur investissement très rapide. Pourquoi? Parce que si vous confiez une session en intelligence collective à un prestataire, en fonction de la complexité du sujet et en fonction de la durée, eh bien, ça peut avoir un coût entre 25 000 et 35 000 euros. Donc, si je prends la médiane, 30 000 euros, on a fait 136 sessions d'intelligence collective. Vous faites le calcul. Combien ça nous aurait coûté si on n'avait pas, internalisé au sein de Pôle emploi cette façon de travailler. Il y a un retour, et puis comme c'est aussi un accélérateur de projet, eh bien, le fait de gagner du temps, hein, je vous rappelle, la plateforme Emploi Store, 9 semaines au lieu de 8 mois, quelque part le temps c'est aussi des coûts et donc c'est aussi des éléments importants. Et comme le disait Nicolas, le fait plutôt que de faire des allers-retours sans arrêt, à un moment donné, de se mettre autour d'une toutes les parties prenantes autour de pour y réfléchir sur le même sujet, eh bien, ça fait gagner du temps. Et là aussi, le temps, c'est de l'argent. François-Emmanuel, vous voulez réagir là-dessus?
Oui, peut-être quelques mots pour... Bon, d'abord, il faut être astucieux. Pour se lancer là-dedans, ça a été l'option de choisir Hospitalan, très clairement, parce que ça a permis de bénéficier d'un soutien pour se lancer dans une démarche qui était, on va dire, soutenue institutionnellement, Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure. Mais effectivement, il faut être astucieux. Alors, il n'y a pas Hospitalan pour tous les hôpitaux, mais enfin, globalement, ça nous a permis de goûter sans forcément faire une mise de départ très importante. Donc, ça permet de, par cercle concentrique, petit à petit, de mobiliser les uns et les autres. Aujourd'hui, ça coûte au CHU de Montpellier des crédits de formation essentiellement dans le cadre de la NFH, qui a pas mal de démarches. Alors, nous, aujourd'hui, on a tout un plan de développement de formation autour de l'appréciative inquiry, qui n'est pas tout à fait du co-design, mais qui poursuit, qui intègre une démarche autour de ces démarches favorisant la relation et la haute qualité relationnelle. C'est beaucoup, j'allais dire, la volonté des uns et des autres d'un collectif qui s'élargit petit à petit au final, de créer par des initiatives différentes les unes des autres, encore ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un socle culturel. La question qui est la nôtre, et quand on parle de socle culturel, c'est parce que notre projet managérial, qui, moi, je n'y suis pas pour rien, je l'ai trouvé en arrivant au CHU et extrêmement complet, en tout cas plutôt sur des actions ponctuelles. Notre projet managérial, c'est comment on constitue ce socle et justement la question du financement de ces démarches collectives. Indéniablement, il y a une question de ressources, il y a une question de formation d'acteurs. Ma voisine de gauche se forme à ces sujets-là et qu'on compte bien exploiter ce sur quoi elle se forme pour faire en sorte qu'on intègre ça dans une démarche. Donc, être en capacité d'avoir des personnes référentes, facilitant, sans avoir le sentiment de dépersonnaliser les démarches ou de devenir propriétaire de la démarche. Je pense que ça doit être, mais je pense que les gens de Pôle emploi l'ont calé, c'est-à-dire qu'on est obligé d'apporter du support et de la compétence sans déresponsabiliser les acteurs qui, dans leur quotidien, ont envie de s'engager dans ce type de démarche. C'est un équilibre assez subtil. Je pense, en tout cas, je le sens comme ça, et ça va être notre travail des 6 prochains mois d'avoir voilà, un sujet assez important, c'est les lieux. Au CHU Montpellier, on a quelques difficultés sur des lieux. C'est les gens que tous les lieux collectifs, aujourd'hui, on met des vaccinodromes. Mais accessoirement, l'objectif, c'est quand même de trouver un lieu où tous ces acteurs peuvent se retrouver, à l'image de ce qu'a dit Pôle emploi. Et ça, on en est absolument convaincu. Et ça aussi, c'est le travail des prochaines semaines, de trouver ce lieu où on peut se rencontrer, où on peut produire des actions dans un cadre qui est complètement différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien. Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste pour compléter, pour faire un peu de provoque, je me dis, on n'évalue pas tellement combien ça coûte la démarche classique. Combien ça coûte, en fait? À mon avis, ça coûte quand même assez cher aussi, la démarche classique. Et ça, on ne l'évalue pas, en fait. Pour pouvoir évaluer ce que ça coûte, l'innovation collaborative, il faudrait pouvoir mettre en rapport les deux. Ce n'est pas facile, mais… Alors, pour avoir été, moi, du côté des prestats, effectivement, la question revenait souvent parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur la face visible et puis la face immergée de l'iceberg, de se dire mais pourquoi, Loïc, tu nous disais tout à l'heure, c'est 25-35 000 euros pour organiser une journée d'atelier dans laquelle il y a 2, 3, 5 personnes sur place, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Effectivement, parce qu'on ne voit pas la partie immergée. Et donc, il y a tout ce travail d'essayer de valoriser, parce que est-ce qu'au passage, on n'a pas recréé un peu d'alignement sur ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'au passage, on n'a pas un peu fluidifié les relations dans tel comité de direction ou telle équipe ou que sais-je? Tout ça, il faut réussir à le mesurer. C'est un vrai enjeu. L'autre point aussi, c'est effectivement… Alors, ça dépend des organisations. Il y a des organisations dans lesquelles on fait beaucoup tout seul. Il y a des organisations dans lesquelles aussi on a beaucoup recours à de l'apport en conseil. Et dès qu'on rentre là-dedans, l'investissement, je trouve, mais je prêche pour ma paroisse, c'est le format du jour, l'investissement dans préparer un temps fort qui renforce la capacité de tout un tas d'acteurs du système versus confier à 2, 3, 4 personnes qui vont être à plein temps sur un sujet pendant 3 mois, je pense que même à coût égal, et souvent c'est moins cher côté
innovation collaborative, mais même à coût égal, en fait, on a un apport qui est plus grand. Et voilà, donc, effectivement, quand Loïc, tu nous dis 9 semaines pour une trentaine de sessions de mémoire, bon, qu'est-ce que ça aurait coûté aussi dans les 9 mois en masse salariale, en apport de conseils, etc. Donc, bon, bien sûr, c'est pas aussi évident que ça, mais pour donner quelques éléments, c'est important d'avoir une logique un peu coût complet si on regarde par rapport à une démarche classique. Asma, il me semble qu'on a le temps de traiter rapidement une dernière question, laquelle tu nous... Ouais, tu nous très lances. Rapidement, si on va avoir le temps de faire le petit sondage de clôture et le mot de la fin. Ouais. La dernière, ce sera du coup, comment vous prévoyez de passer le cap de l'expérimentation à la généralisation? Comment on pérennise ces solutions qui émergent au sein des sessions collaboratives? Au sein des sessions, ok. Je fais une réponse très rapide de mon côté et puis je vous donne la parole. Pour moi, en restant dans cette perspective de l'innovation collaborative qui est en restant apprenant, pour prendre un des mots à la mode. C'est pas instructif, apprenant, c'est on continue à se dire que on est en train de faire pousser, il y a une jeune pousse voilà, qui sort à l'issue d'un atelier collaboratif, et ben on va surveiller ça de près, on va accompagner la croissance, on va se rendre compte qu'il faut arroser ici, qu'il faut peut-être déplacer, qu'il faut ceci, cela. Et donc, c'est important de suivre le déploiement et de rester pas trop loin et de régulièrement se dire est-ce que on ferait la même réponse aujourd'hui que celle qu'on a fait lors du temps fort et quels ajustements on a envie de faire parce que le terrain nous renvoie aussi des retours. Qui veut réagir aussi? Pour Montpellier, je dirais, alors c'est un peu compliqué parce que nous on n'en est pas du tout à la généralisation, il faut être très modeste. Il y a une culture dans l'établissement, une culture du dialogue, il y a une culture de la réflexion et de chercher des solutions organisationnelles assez innovantes. Ça, c'est clair, c'est dans le cœur, notamment d'un CHU où il y a beaucoup de recherches, où il y a beaucoup de sujets de cet ordre-là. Donc ça, on a ces éléments-là clairs. Dans un CHU, on mène des dizaines de projets tous les jours, des dizaines. C'est peut-être en intégrant ces éléments de méthode autour de l'intelligence collective dans ces projets-là qu'on va y arriver. C'est-à-dire, ne remettons pas en cause les projets qu'on conduit au quotidien, mais faisons en sorte que cette gestion de projet à laquelle on est si habitué, on dit qu'on est des spécialistes de la gestion de projet pour livrer ici un bâtiment, là une réorganisation de services, ici une réorganisation d'un bloc opératoire, c'est peut-être via ce type de méthode, donc un état d'esprit un peu différent et intégrer de la méthodologie un peu différente dans la conduite des projets que nous menons tous les jours. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pérenniser parce que ça va se diffuser de manière évidente en partant des solutions terrain. Merci beaucoup. Un dernier écho sur cette question? Peut-être en partant des solutions qui émergent, peut-être de sessions en intelligence collective, c'est pouvoir à un moment donné, eh ben, tout dépend aussi des curseurs où on le met par rapport à ce qu'on appelle le prototypage et voilà, à quel moment on s'arrête et à quel moment on continue. Mais à un moment donné, il va falloir que ça se traduise pour ce qui nous concerne par un POC, par faire un démonstrateur qui va être évalué sur le terrain avec une mesure d'impact permettant de prendre la décision de déployer ou pas la solution qui est sortie en fait d'une session en intelligence collective. Et ça peut prendre une forme aussi d'expérimentation qui pour nous au sein de Pôle emploi a une dimension encore plus comment dire plus impactante puisque quelque part on utilise y compris vos méthodes dans le monde de la santé, hein, où on a une agence témoin qui a les mêmes caractéristiques que l'agence où se déroule l'expérimentation, on va croiser les données et puis on va vérifier ce qu'apporte réellement l'expérimentation. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait effectivement pour qu'il y ait une décision de généralisation ou pas par rapport au sujet, en fait. Hein. Voilà. Merci à vous pour ces échos. Alors, Asma, on n'est pas loin du but, là. On n'est pas loin de la fin de cette web conférence. Ce qu'on voudrait vous proposer, c'est peut-être deux choses. On va se tourner vers nos participants. Tout à l'heure, on a fait un petit sondage. Et ce qu'on voudrait, c'est mettre à jour ce sondage pour voir est-ce qu'on a fait bouger les lignes. Donc, la même question, l'innovation collaborative sur une échelle de 1 à 5, vous y croyez combien? Voyons ce que ça donne. Je vois que les réponses sont en train d'arriver. C'est hyper intéressant de piloter ça pour nous.
voilà, d'aller se confronter, nous confronter nous aussi au retour du terrain. Et puis pendant que les réponses arrivent, eh bien, Emmanuel, François, Sébastien, Loïc, on peut réfléchir à peut-être un mot de la fin ou une idée avec laquelle vous souhaitez que nos participants puissent repartir. Des dernières personnes qui doivent voter. Bon, tout à l'heure, on avait 30 plus 46. Là, on a 35 plus 44. Ça a un petit peu monté. Ça va dans le bon sens. Génial. Alors, le mot de la fin, qui veut démarrer? Alors, on peut commencer à Montpellier en espérant qu'on a pas trop dégradé nos résultats. Je n'ai pas fait attention, je ne sais pas calculer. 77, je crois qu'on était à 76 si on prenait 4 et 5 tout à l'heure. Peut-être une conclusion à deux voix en 30 secondes, si j'ai bien compris. Alors moi, je parlais de la position qui est la mienne aujourd'hui, le représentant de la direction générale du CHU. Il me semble que notre ambition, c'est de créer un cadre fertile pour que cette innovation agisse d'une part sur les postules et agisse sur la transformation profonde. Autrement dit, jouer sur la culture, alors je vais dire la culture de l'entreprise, la culture profonde de l'établissement. Ça, c'est la responsabilité de la direction générale. Elle est de jouer le sponsor, de garantir le cadre dans lequel l'ensemble des collaborateurs d'une institution telle que la nôtre peut s'engager. Après, ça va un peu au-delà et je laisse Emmanuel conclure. Non, ben, je pense qu'on l'a dit à différents moments. Hein. Je pense que c'est vrai qu'on se pose la question de qui porte, à quel endroit, avec quelles compétences. Et voilà, donc nous, on est un peu au début de notre réflexion, on se dit qu'il faut des compétences, qu'à un moment donné, il faut qu'elles soient au bon endroit pour que ça prenne et pour que ce soit suffisamment sécurisant pour que ça produise aussi une vraie portée de transformation. Et donc on est là-dessus en réflexion. Et puis, j'espère qu'on avancera et que toutes ces questions vont nous aider à le faire. Quoi. Merci, Emmanuel. Loïc, Sébastien, à vous. Un mot, en fait, c'était plus un mot. Je crois que c'est Myriam qui posait dans le chat la question qui nous disait qu'on était entre personnes convaincues et comment convaincre les gens. En fait, comment convaincre ceux qui n'ont pas pu venir. Et alors, je ne sais pas si c'est une réponse, Myriam, pour toi, mais l'idée, c'est de tester, en fait. Si on prend l'exemple de Pôle emploi, on sait qu'on a une image qui n'est pas forcément la meilleure parfois. On a une image très administrative également. Et le fait qu'on puisse mettre en place des labs, qu'on ait développé l'intelligence collective et qu'on se rapproche d'un modèle, même si on n'est pas totalement dans un modèle d'entreprise libérée, voilà. Il a fallu au début, il a fallu y aller doucement. On l'a testé, on a osé aussi, parce qu'il faut oser. On a commencé à ouvrir des portes, en fait, d'une certaine manière. Les portes qu'on a pu ouvrir avec le lab a donné la possibilité d'ouvrir des portes à d'autres personnes qui se sont dit « Et pourquoi on ne ferait pas autrement? Pourquoi on ne ferait pas un petit peu comme le lab aussi? Pourquoi on ne penserait pas autrement les choses ?» Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et ça s'est développé au niveau de la direction générale, au niveau des régions. La plupart du temps, c'est même venu, en fait, des agents eux-mêmes qui ont poussé le top management à évoluer, en fait, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est pour moi, en fait, pour répondre un certain moyen de répondre à cette question de toi, Myriam, c'est ose, quoi, teste. Moi, je rebondirais là-dessus pour partager que dans mon expérience, effectivement, vous aurez toujours des récalcitrants, des gens qui arrivent dans un atelier avec les pieds de plomb. Bon, en général, je vais les voir, ces gens-là, au-delà du classique leur souhaiter la bienvenue, essayer de comprendre, en fait. Je me rends souvent compte que les formats classiques ne leur conviennent pas non plus. Et parfois, la petite pirouette consiste à dire ben, « si le format classique ne vous coupe pas, venez, on essaye autrement, mais aidez-moi à le faire marcher. Le autrement, vous m'aidez à le faire marcher, une fois, pour voir. Voilà. » Loïc, mot de la fin ? Moi, je dirais qu'on a un monde autour de nous qui évolue très, très vite en termes d'usage, de technologie, et que c'est important d'être en prise avec cette réalité qui est mouvante et donc pouvoir anticiper sur les évolutions. Et donc, et le faire avec les usagers et pas être dans l'entre-soi, c'est un élément de mon point de vue, avec les collaborateurs qui sont en première ligne, je rappelle. C'est fondamental de mon point de vue. Et si nous, on l'a fait, tout le monde peut le faire. Merci Loïc pour ce mot de la fin. Je vais te donner la parole à Asma. Juste vous dire merci à tous. Vous dire que vous recevez probablement dans le chat à l'instant là un lien vers un questionnaire de satisfaction. On est content si vous pouvez prendre un instant pour remplir ça. Et Asma, je te laisse conclure. Parfait, merci à tous. Déjà, moi, pour conclure au nom de la NAP, je note l'intérêt et la richesse des échanges dans le chat le confirme, et donc ça donne envie de continuer à œuvrer pour, euh,
pour ces méthodes, ces démarches et pour proposer des appuis aux professionnels sur celles-ci. Et surtout, merci à tous les cinq, Nicolas, François, Emmanuel, Loïc et Sébastien pour votre participation. Et donc, très, très prochainement, on vous mettra à disposition le support enrichi des réponses manquantes et éventuellement de ressources, livres et autres qui peuvent être utiles pour aller plus loin. Merci à tous.